est actuellement 3h15 du matin et aujourd'hui vidéo exceptionnelle avec une table de Ouija. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une table qui permet de communiquer avec des esprits. La voici, c'est assez impressionnant. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Azibex derrière la caméra et aussi Alex que vous connaissez un petit peu, voilà, qui a fait des vidéos drones avec moi. Sans plus tarder, on va commencer à communiquer avec les esprits présents dans cette pièce grâce à cette table, en espérant évidemment que ça fonctionne. Je vais allumer aussi une petite caméra qui va filmer la table en direct. Regardez un petit peu en gros ce que ça filme. Et je vais prendre aussi un autre objet très très important. Voilà, let's go, regardez. Alors, ok, mince, je croyais qu'il était ici. Ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Le lecteur EMF, let's go, voilà. Donc voilà, c'est un petit lecteur EMF qui sert lui à détecter les esprits, pas à communiquer avec. Pour communiquer avec, ce sera évidemment la table de Ouija. On va poser le lecteur EMF juste ici et on va se mettre en ambiance. Il faut mettre des petites bougies en fait dans les angles, voilà, de la table de Ouija. Donc voilà, on a plusieurs petites bougies. Alex, je vais te les laisser allumer. Ouais. Voilà, les bougies. Alors, est-ce que t'as déjà fait du Ouija, Alex? Jamais, moi. C'est la première fois. Moi aussi, c'est la première fois. Donc, première expérience de Ouija. Est-ce que vous connaissez le Ouija? Dites-moi en commentaire. Voilà. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous me dites en commentaire. Si vous connaissez, vous me dites. Et vous me dites aussi si vous avez déjà eu des expériences un petit peu paranormales avec une table de Ouija. Donc là, on allume. L'ambiance est posée. C'est assez stylé. Voilà, on a les petites bougies qui sont posées dans chacun des angles de la table de Ouija. Et toi, Azibex, est-ce que t'as déjà fait du Ouija? Non. Toi, derrière la caméra, là. Non? Jamais. Bon, bah, ça va être la première fois pour nous tous. Alors, du coup, sur cette table, nous avons ce qui s'appelle une goutte. Voilà. Une goutte, en gros, c'est ce qui va nous permettre de communiquer. En gros, le cercle vide de la goutte va nous orienter sur des chiffres ou des lettres. Et c'est ce qui permet à l'esprit de communiquer s'il est dans la pièce. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que moi et Alex, on va avoir un doigt sur la goutte, chacun comme ça. Un doigt ou deux doigts. Et ensuite, eh bien, on va poser des questions. Et si l'esprit répond, bah, en fait, il va nous orienter vers différentes réponses. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne plus louper les prochaines vidéos Ouija. Et d'ailleurs, est-ce que j'en ferai des prochaines? Sans doute, s'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo. Donc voilà, bombardez les pouces bleus et à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je refais une nouvelle vidéo table de Ouija. Du coup, Alex, tu peux poser deux doigts. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a des petites bougies, faut faire attention. Attends, sinon je vais me décaler un peu. Sinon, en vrai, on peut. Ouais, vas-y, tu te décales. Si on les enlève, je sais pas si ça va marcher. Ouais, je sais pas si ça va fonctionner. On va se mettre tous les deux comme ça. Voilà. Donc là, on va commencer déjà en posant une question. Y a-t-il quelqu'un dans la pièce? Voilà, on va poser ça. C'est quelqu'un, un esprit, quelque chose. Donc voilà, c'est la première question que l'on va poser dès maintenant. Y a-t-il quelqu'un ou un esprit dans cette pièce? Tu ressens quelque chose? Un tout petit peu, hein, comme des petits picotis dans les mains, mais c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose, je vous avoue, les abonnés. Alors, il faut savoir que c'est la première vidéo. D'ailleurs, il faut répéter plusieurs fois les questions avant que ça fonctionne. Parfois, 3 à 4 fois la question. Et parfois, au bout de la 4e fois, ça fonctionne. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, on commence dans mon appartement. Ça pourrait être drôle de faire un épisode 2 dans un lieu beaucoup plus stylé, genre une maison abandonnée. Peut-être qu'on aurait plus de réactions. Mais là, déjà, on va essayer de voir si dans cet appartement, il y a des esprits. On va encore demander. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Oh, j'ai ressenti des trucs dans mes doigts, c'était chelou. Moi aussi un petit peu là, genre comme si ça se contractait. Moi c'est dans le bout des doigts en fait, je ressens un truc. Ok, bon pour l'instant c'est léger, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même bizarre. Ok, bon écoutez, quand même assez étrange. Bon, sur le lecteur MF en vrai il n'y a aucune indication. Voilà, je le rappelle, le petit lecteur MF, à quoi ça sert? Ça sert à détecter les variations dans le champ électromagnétique. Donc potentiellement s'il y a une présence ou un esprit qui arrive dans la pièce, et eh bien le lecteur MF, et eh bien il varie et on voit que du coup il y a des grosses variations et que l'esprit est là. Pour la troisième fois, on va poser la question. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Wow! C'est toi qui as bougé ou... Bizarre. C'est toi qui as bougé? Non, moi j'ai pas bougé, je suis resté. T'es sûr? Alors la goutte a légèrement bougé. Un tout petit peu, ouais. Alors ça nous a dirigé un tout petit peu vers le oui, mais c'est pas allé dessus du tout. On réessaye. On peut réessayer, mais repose bien tes doigts bizarre, dessus. Quand même. Fais attention, faut surtout pas... Alors, quelque chose de très important, ne surtout pas lâcher les doigts de la goutte avant que ce soit terminé. Si on lâche, c'est super dangereux, parce que du coup, ça peut... Comment dire, ça peut fâcher les esprits. Le fait que voilà, on lâche les doigts en fait de la communication. Ok, on va refaire. Du coup, pour la 4e fois de cette vidéo, on va poser la question. Esprit, es-tu là? Let's go, est-ce que tu es là? Oh, ça a bougé encore plus là. Ça a bougé vers le oui. Le lecteur MF, ça a l'air d'aller pour l'instant. Je vais mettre le lecteur MF comme ça plutôt, comme ça tu le vois mieux un petit peu, Azibex. C'est un peu mieux comme ça. Et en vrai, ça s'est dirigé. Il y a juste une variation. Ouais. Ça, c'est une variation un peu genre classique, ça. Ok, orange un peu. Bon, on a quelques mouvements en vrai sur le... Ok, là il y a des mouvements sur le lecteur EMF. Tu les as vus à la caméra? Ouais, j'ai vu. C'est passé dans le jaune, orange un peu.
Alors c'est très léger pour l'instant. C'est léger comme un peu les effets qu'on a sur la goutte. Ouais. Mais ça se dirige quand même vers le yes en vrai. Ouais. Tu me jures, c'est pas toi qui pousse, hein? Ah non, je te jure, j'ai pas touché au truc. Je pense qu'ils sont là, mais ils hésitent peut-être à nous dire encore. Okay. Peut-être qu'il faut qu'on réessaye ou je sais pas. C'est très flippant pour l'instant. Ou peut-être qu'on change de question. Ouais, on va peut-être changer de question. On va voir un petit peu s'il y a des questions, ça dit plus de choses. J'ai quand même envie de reposer la question à l'esprit. Esprit, es-tu là? Genre vraiment, j'ai envie de lui demander. Genre vas-y, réellement. On le fait une dernière. On le fait une dernière fois. Voir si vraiment il se décide à aller sur le oui ou pas. Ouais. C'est parti pour la cinquième fois qu'on va poser cette question. On est désolé, ça fait beaucoup. Après, il va y avoir d'autres questions. Combien d'esprits y a-t-il dans la pièce? Combien vous êtes? Comment tu t'appelles? Etc. On en saura beaucoup plus. Mais là, on va essayer de le chauffer une dernière fois. Esprit, es-tu là? Oh, c'est chaud ton truc là. Oh, fallait pas lâcher la main. Oh non, mais c'est bizarre ton truc. Moi, je vais y aller, je pense. Mais fallait surtout pas que tu lâches la main en fait. Pourquoi t'as lâché la main? Alors, c'est allé carrément sur le yes? Ok, et le lecteur MF, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Est-ce que sur le lecteur MF, on voit quelque chose? Est-ce qu'il y a des variations? Ouais, ça passe vite fait. Bah là, dans l'orange et parfois, quelques fois dans le rouge. Mais. Ok, ok. Alors peut-être qu'on a réussi du coup à communiquer avec un esprit. On a peut-être réussi à communiquer avec un esprit. Ouais, je pense, mais là, moi, je trouve ça bizarre. Moi, je pense que je vais y aller. Hein. Ah ouais? Ah, ça me fait flipper de ouf. T'as vu comment ça a bougé fort là? Ouais, bah tu t'es senti tiré par la goutte. Ah ouais, hein, vraiment? Bah, moi aussi, mais. Fallait vraiment pas que tu retires ta main en vrai. Hein. Parce que là, tu vas énerver les esprits de fou, hein. Ah je sais, mais ça m'a fait tellement peur que... Ouais, je vois. Je vous jure, la sensation, elle est trop bizarre. Bah ouais, c'est vrai que c'est ultra chelou les abonnés, c'est la première fois que je fais. Alors moi, je m'attendais un petit peu parce que j'en avais déjà regardé pas mal des séances comme ça, de table de Ouija. Donc voilà. Tu veux recommencer ou pas la séance? Non, franchement, je vais m'arrêter là, ça fait trop flipper. Je vous jure. Je vous jure, c'est tellement flippant, c'est... Bah écoutez, les abonnés, ce qu'on va faire, c'est que du coup, nous, on va continuer de notre côté. Je vais pas forcer Alex à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. Je peux comprendre que voilà les esprits et tout c'est pas fait pour tout le monde de toute façon. Il y en a beaucoup ils aiment pas trop ça. Donc vas-y Alex en vrai Ouais vas-y tu me diras comment ça se passe si ça en va ou pas. Vas-y. Bon bah fais attention sur la route parce qu'il est tard, il est extrêmement tard, il est 3h là. T'inquiète. Il est quelle heure? Et il est actuellement 3h33. Bon voilà. Nous on va continuer la séance, t'es chaud Azibex? Ouais je suis chaud moi. Let's go, ok. Vas-y Alex, vas-y à plus. Tu vois, je touche pas le jeu, moi c'est bon. Hein. Vas-y, on va laisser Alex partir et du coup nous on va bien se concentrer sur la goutte. On va se remettre la main sur la goutte, voilà. Donc on est allé sur le yes, on a clairement vu que du coup l'esprit nous a dit qu'il était là. Vas-y j'ai pris mes affaires les gars, j'y vais, salut. Vas-y à plus Alex, vas-y fais attention sur la route. Ouais. Vas-y, du coup nous on va continuer la séance tout seul les abonnés. Voilà donc j'ai toujours mes doigts sur la goutte, il faut surtout pas que je les lâche désormais. Bon, Alex est parti, du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la séance de Ouija. Et je vais demander combien y a-t-il d'esprits dans la pièce. Ok c'est parti pour la première question. Combien est-ce que vous êtes d'esprits dans la pièce? J'ai ressenti des choses dans ma main mais pas grand chose. Je vais reposer une deuxième fois la question. Combien est-ce que vous êtes dans la pièce? Wow. Ok la goutte m'a emmené vers le 1, j'ai l'impression plus le 1 que le 2. Viens voir Azimed pour voir. What? Mais attends mais... Oh j'ai pas fait gaffe sur le coup mais attends il y a des bougies qui sont éteintes, ouais. Tu les as vues à la caméra s'éteindre? Ouais j'en ai vu, ouais. Wow. Oh non j'ai lâché. Ok j'ai lâché la goutte. Ok je suis sur le 1. Ok viens voir. Tu penses que c'est un 1 ou un 2? Je pense qu'on est plus sur le 1 là en vrai, hein. Ouais plus sur 1, on va plus le 1 que le 2. Ok. Écoutez les abonnés, il y a en plus deux bougies qui sont éteintes. Ok c'est très effrayant. Du coup les abonnés j'ai reposé mes doigts dessus. Et cette fois-ci on va demander le nom de l'esprit. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Avec les deux bougies qui sont éteintes, je commence à flipper un petit peu, je vous avoue. Comment est-ce que tu t'appelles? Comment est-ce que tu t'appelles? Wow. Il bouge tout seul! Attends, mais comment c'est possible? Vous avez vu bouger tout seul? Moi, j'ai vu, moi. What? Ok, c'est allé sur le I? Viens voir. Tu penses que c'est vraiment un I? Ouais, c'est vraiment un I, hein. C'est le I, ok. Ok, donc pour l'instant, c'est I. Wow. Ok. C'est le T? It, mais what? Ça veut dire quoi, ça, it? Ok, pour l'instant ça bouge plus. J'ai l'impression vraiment il s'appelle It, ça te dit quelque chose, It, Azibex? Non, pas moi, et toi? Non, ça me dit rien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Est-ce qu'il va venir? Genre, est-ce que... Ouais, vas-y, on va lui demander ça. Est-ce que vous comptez vous manifester? Wow. Yes. Goodbye. Ok, j'ai le droit de lâcher, il a dit goodbye. Tu penses que la séance elle est terminée? Je sais pas, mais en tout cas le goodbye là c'est... Peut-être que ouais, la séance est terminée, je sais pas du tout. T'as entendu? Ça a frappé, ça frappe. Ça frappe à ma porte. Ok, alors ça c'est vraiment pas rassurant. Wow. Attends, je regarde. Mec. Wow. C'est le clown ça? Wow. Ok, il nous montre la table de Ouija. Ok. Mais oui! It!
C'est le clown ça. It, c'est en anglais, c'est le clown ça en anglais. Ok. Wow. Il fait quoi, il va s'asseoir? Ok, il s'assoit dans le canapé. Wow, là, 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 ok. Tu veux que je m'assoie à côté de toi? Ok, il veut que je m'assoie à côté de lui. Ok, alors, est-ce que c'était toi l'esprit? Oh, il communique avec la table de Ouija. Ok, c'était toi l'esprit. Ok, Wow, c'est super flippant les abonnés. Est-ce que t'es là pour nous faire du mal? Ok, un P. E. U. T. Ok, peu. E. T. R. Peut-être. Quoi? Attends, mais tu... Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, Bex. Wow. Ok, ok. Oh, je suis en flip. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question? Vas-y, Bex, qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Bah, non, en fait, c'est flippant, je sais pas, moi. T'es là pour une bonne raison? Quoi? Oh là 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 là. T'es là pour une mauvaise raison? Oh, c'est effrayant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi les abonnés? Il fait quoi? Pourquoi il prend des ciseaux? Attends, mais il cherche quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il cherche quoi? Wow. Il a des couteaux, il va vers nous. Fais le tour, fais le tour par là. Ok, passe par là. Ok, viens, ok. On l'enferme. Ok, je ferme. Il essaie d'ouvrir la poignée. Il a un mètre couteau, les abonnés. Ok, continue de filmer. Au cas où, on aura des preuves. Il est toujours derrière. Il essaie de... Regarde, je vois là. Il essaie d'ouvrir la poignée. Il essaie de forcer. Ok. Ça se calme. Je l'entends toujours. Je l'entends. Il s'est barré. Je sais pas. Tu veux ouvrir pour voir? Personne. Il est plus là. Vas-y, viens. T'as pu t'échapper par là, toi, c'était ça? Ouais. Heureusement que cette porte-là était ouverte. Heureusement, ouais. J'ai pas perdu de temps. Alors, il y a la table de Ouija, il a plus l'air d'être là. Viens, suis-moi. Il a l'air de s'être barré, hein. Bon, les abonnés, c'était très flippant cette expérience de Ouija. Qu'est-ce que t'en as pensé, Azibex? Trop flippant, on fait pas ça, hein. Beaucoup trop flippant. On le refait plus. On le refera s'il y a 10 000 pouces bleus pour dans un autre lieu, ouais. Où on aura peut-être plus le moyen de courir, parce que là c'était hardcore en fait. Ouais, si on pouvait si faire ça trop chez toi et tout. Ouais. Bon, en tout cas les abonnés, très cool comme vidéo quand même, exceptionnelle aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde les potos, je vous aime. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Et puis voilà, allez, bye tout le monde.